À vrai dire, moi aussi un petit peu, je me suis dit que ça allait être assez compliqué si on ne changeait pas quelque chose. On a réussi à changer la hauteur du bloc et surtout l'agressivité. On avait du mal avec Depréville et Adli qui nous posaient beaucoup de soucis dans notre dos. Et on a réussi à aller les agresser un peu plus haut et du coup à récupérer plus de ballons. Ouais, tant mieux, il y a un bon travail des coéquipiers qui me permettent de récupérer le ballon. Après, j'arrive à crocheter et à frapper fort. C'est rentré, tant mieux. Ouais, non, franchement, je sais pas comment j'ai fait, mais du coup, j'ai laissé des plumes parce qu'après, j'étais KO. Mais ouais, marqué dans ce stade, c'est incroyable. Surtout le but du 2-1. Ouais, c'est lui qui m'a fait courir parce que si c'était moi, j'aurais pas célébré. Bah, on est que mi-décembre, faut pas qu'on parle de fin de saison. Déjà, on a deux matchs qui arrivent là qui vont être importants. C'est sûr qu'on a fait un petit trou, mais faut pas qu'on s'enflamme et qu'on reste lucide. Non, c'est sûr, comme j'ai dit, on a une vraie équipe de chiens. Les 11 défendent. Comme des dératés, c'est ce qui fait la différence parce qu'après on a des joueurs de ballon pour marquer des buts. Mais c'est sûr que c'est un gros avantage d'avoir toute l'équipe qui défend et tous les joueurs qui arrivent à récupérer les ballons. Les 6 sur 6, c'est quand même. C'était peut-être dans vos rêves les plus fous de gagner 6 matchs d'affilée comme ça. Bah, c'est sûr que c'est la première fois que ça m'arrive. Mais au-delà de ça, on savoure parce qu'on a le sentiment quand même qu'on les mérite. C'est pas des victoires volées. Mais comme je l'ai dit, il faut surtout pas s'enflammer. On a deux matchs qui arrivent pour fêter Noël comme il faut. Là, c'est sûr qu'on va savourer parce que 6 sur 6, c'est quand même bien. Mais on a un gros match qui nous attend en Metz. Un petit peu. Après, c'est une philosophie de jeu comme les autres. C'est bien de vouloir prôner le jeu, mais c'est sûr que ça amène des risques, surtout ici au Vélodrome. Mais après, c'est courageux de leur part, hein, c'est sûr. Ouais, 6 points d'avance, mais on a vu le classement est très serré, donc il suffit de perdre une ou deux fois et hop, il y a tout le monde qui revient. C'est pour ça qu'il ne faut surtout pas s'enflammer et prendre les matchs comme ils viennent, mais 6 sur 6, c'est très bien. Ouais, mon premier but m'a fait beaucoup de bien contre Lille, parce qu'il a mis un peu de temps à arriver, mais depuis qu'il est arrivé, je me sens plus en confiance et j'ose plus, donc je marque des buts, tant mieux. On a une saison extraordinaire, mais où on loupe la Champions League, donc c'est pour ça qu'on apprend de nos erreurs et que j'espère on va rien lâcher jusqu'au bout. Mais on est qu'en décembre, on a encore le temps d'en reparler.